les Santiags sont partis. C'était remplacé par des bottes normales. En fait, je voulais reprendre les personnages, mais j'en avais marre de faire du western, donc j'ai fait la suite, mais en heroic fantasy, à la sauce bretonne. Alors, moi, je passe Santiagolf du Morbihan, c'est quand même pas le super jeu de mots. J'ai dû changer de nom à chaque fois. L'éditeur voulait l'appeler Santiagure, mais j'ai pas eu envie. Des jeux de mots, ouais. Bon, des jeux de mots, ça vient comme ça en général. C'est plutôt de la fatigue intellectuelle quand j'en fais. Mais je sais pas si j'en ai mis tant que ça dedans. J'essaie de moins faire le jeu de mots parce que des fois on se dit qu'on va être traduit, mais c'est faux. Après, il faut traduire les jeux de mots, c'est chiant. Mais comme je suis pas traduit, on s'en fout. Bon, là, j'ai pas trop cherché vu que c'était une suite. Et non, en fait, pour le premier, j'étais parti. On est loin du truc, mais j'étais parti de faire un peu un style à la Blueberry. Évidemment, c'est différent, mais voilà, donc là, j'ai gardé un peu le même, plus ou moins. J'ai simplifié un peu plus parce qu'il y avait moins besoin d'avoir ce côté, justement, un peu réaliste. Donc, je me suis éloigné un peu. Si j'en fais encore un, ce sera encore plus simple. Je pense que c'est. Certains trucs que j'ai fait, comme Lutin Spirix par exemple, qui mélange quand même Spirou, Astérix, Tintin et Lucky Luke, c'était vraiment justement pour quelque part désacraliser ces influences, m'en débarrasser en fait. Puis non, m'en reste quand même, mais de moins en moins, donc je crois que ça marche. Bah, y a justement des auteurs un peu franco-belges comme ça, mais c'est vrai que Gossens, en fait, quand j'ai découvert Gossens, c'est vraiment. Je me suis dit, ben, c'est vers là que je voulais aller en fait. Il y a un peu ce côté aussi d'ailleurs, se moquer un peu des BD comme ça. C'est vrai que ça m'a fait gagner du temps quelque part. Après maintenant, il faut que j'aille vers autre chose, je pense. Là, j'ai vraiment envie de bosser différemment. Mais c'est vrai que je me suis dit, putain, j'aurais cherché 50 ans, c'est le résultat que je cherchais, et en fait, il l'a déjà trouvé plus vite. Donc, je me suis dit, bon. Mais ça m'a fait avancer aussi. Mais en plus, c'est ouais, vraiment avant de démarrer professionnellement que je l'ai découvert, je pense. Non, ouais, non, le storyboard, le scénario, ça c'était rigolo. C'est après qu'on se rend compte qu'il faut y rester un an de boulot et qu'on sait déjà ce qui va se passer. Mais bon, ce qui est bien, c'est que je trouvais des gags au fur et à mesure auxquelles je n'avais pas pensé, donc heureusement. Parce que moi, je connais la fin. Ou non. En plus, c'est rare que je travaille comme ça. Là, j'avais vraiment tout écrit. Alors d'habitude, je s'en fous. Le premier, c'était pas écrit du tout, quoi. Et là, je savais la fin et ça m'amusait moins d'avancer, mais en fait, ça va, il y a des gags que j'ai trouvés pendant le dessin, en fait. Des gars que j'ai failli laisser passer, qui étaient bien en plus. Non, bah là je suis sur un truc de toute manière qui m'amuse assez, juste pour la jeunesse. C'est l'histoire d'un glouton, un animal peu connu, qui se bat avec des loups. Et en fait, c'est pour apprendre aux enfants à se battre à l'école, comme il faut, et être de mauvaise foi. Voilà. C'est un glouton qui rencontre un chien, et il essaie de dresser le chien à être sauvage en fait. Voilà. Et ça, c'est dans Wapiti, ça va être chez Bayard. Donc là, je fais ça pour l'instant. Je ne sais pas encore ce que je vais faire d'autre.